Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre leçon de géographie qui s'intéresse à habiter au Groenland, en fait, qui s'intéresse à un pays, le Groenland, et à une ville située au nord-ouest du Groenland qui est la ville, le village, pardon, plutôt, de Kanaak. Aujourd'hui, on va corriger une activité que je vous avais demandé il y a plusieurs jours de cela. Je vous avais demandé de me localiser le pays dans lequel se situe Kanaak. Donc le Groenland, sur les différents planisphères, sur les 10 planisphères du début de votre cahier. Donc on va corriger ceci. Pour le corriger, vous allez avoir besoin de votre cahier, de votre gomme et de votre crayon de couleur vert. Attention, le même vert que vous avez utilisé pour faire la légende, hein, pas un autre vert. Hein, quand vous faites une carte en géographie, vous mettez une couleur sur la carte, il faut que ce soit exactement la même que vous mettiez dans la légende. Si vous changez de couleur, il faut refaire la légende forcément. Donc voilà, votre cahier avec à la page où il y a votre légende et toutes les cartes, votre règle, votre trousse, non la règle n'a pas besoin, votre crayon de couleur vert et votre gomme, pardon. Et donc on va pouvoir corriger ça. Alors on va le corriger de la manière suivante, c'est-à-dire que bah, si vous avez fait la croix au bon endroit, bah, vous n'avez plus qu'à colorier l'intégralité du Groenland. Si par contre la croix vous ne l'avez pas faite au bon endroit, il faut que vous gommiez la croix et que vous allez pouvoir colorier alors le Groenland, selon la correction que je vais vous présenter ici. Donc, faites bien attention, commençons toujours par faire notre légende. Hein, vérifiez que vous avez bien fait votre légende, comme ceci, hein, un rectangle colorié en vert et le nom du pays. Ensuite, eh bien, ça c'était la première carte, on l'avait faite ensemble, la carte de départ pour vous donner la localisation du Groenland sur le planisphère qui vous permettait ensuite de faire toutes les autres cartes, du moins de vous aider à faire toutes les autres cartes. Donc ça, normalement, vous l'avez déjà colorié, si ce n'est pas fait, vous le faites. Carte 2, alors, le Groenland est-il sur la carte 2? Eh bien, la réponse est non. Effectivement, bien bravo à ceux qui l'ont trouvé. Alors, elle n'est pas sur le Groenland parce que vous avez ici le nord de l'Afrique et ici l'Europe. Et le Groenland, en fait, s'il fallait agrandir la carte, il serait quelque part ici. Hein. Vous voyez, en fait, la carte 2, c'est j'ai zoomé sur cette partie-là de la planète. Voilà, carte 3. Alors, carte 3, on a l'intégralité de la planète représentée sur une carte, un planisphère, mais orientée de manière un petit peu bizarre. En fait, ce planisphère est centré ici sur l'océan glacial arctique. Et le Groenland, on le retrouve ici. Voilà pour la carte 3. Carte 4. Alors, carte 4, pareil, hein, c'est une carte un peu particulière. En fait, vous prenez le globe, et puis vous imaginez que vous vous asseyez sur le globe. Quand je m'assois sur le globe, ça me fait une crêpe. Et bien, vous avez à droite un côté de la crêpe, à gauche de l'autre côté de la crêpe. Donc, vous avez ici une partie du globe centrée sur l'océan glacial arctique. Et ici, vous avez le dessous en fait, de votre crêpe avec le continent antarctique. Et donc, le Groenland se localise ici. Voilà pour la carte 4. Planisphère 5. Alors, planisphère 5 ressemble à celui qu'on utilise très fréquemment, le premier. Hein. Sauf que c'est comme s'il avait été décalé. En fait, au lieu d'avoir l'Europe au centre du planisphère, on a ici l'océan Pacifique au centre du planisphère. Et donc, on retrouve, hein, si on a l'océan Pacifique, on retrouve ici l'Amérique. On retrouve une partie de l'Afrique et une partie de l'Europe qui se continue ici, l'Asie, l'Océanie, et donc le Groenland eh bien, se situe ici hein, au niveau du continent américain, proche du continent américain. Carte 6, carte 6 ressemble aussi à celle qu'on a l'habitude, hein, avec un petit peu, avec en fait chaque extrémité qui est un peu déformée, un peu arrondie, et donc le Groenland se retrouve ici. Carte 7, alors carte 7, on n'a pas un planisphère, on a une partie d'un planisphère, en fait, si vous observez bien, on a ce continent, je vous avais déjà donné un moyen pour vous en souvenir, ce continent en forme de tête de rhinocéros, on a ici une corne, on a le continent donc africain, on a l'Afrique, et le Groenland n'est pas représenté sur cette carte. Carte 8, assez compliquée à trouver, hein, mais cette carte 8, hein, vous voyez ici une mer, vous aviez déjà parlé aussi, hein, une mer en forme de salut, de tchouz, de ce que vous voulez, hein, avec, comme si on avait deux doigts ici levés. Eh bien, cette carte, en fait, c'est la carte du proche et ce qu'on appelle le proche et le Moyen-Orient. Si on prend ce planisphère, hein, la mer dont je vous parle, elle est ici. Elle est ici. Et peut-être que les plus aiguisés d'entre vous, hein, ceux qui ont la meilleure vision dans l'espace, remarquent peut-être qu'en fait, ici, on peut dessiner quelque chose que je vous ai demandé de dessiner en histoire, le croissant fertile. Hein, c'est en fait dans ce territoire où l'agriculture est apparue. Vous avez actuellement ici la Turquie, l'Arabie Saoudite, ici c'est l'Égypte. Donc voilà, le prochain Moyen-Orient. Et le Groenland n'est pas représenté sur la carte 8. Carte 9, le continent qui s'enfonce ici, une pointe de flèche qui s'enfonce dans l'océan Indien, eh bien c'est l'Inde, ici la Chine, le Japon, on a une partie de l'Asie.
Et forcément, si on est en Asie, on ne voit pas le Groenland sur ce planisphère. Carte 10, on a un autre continent qui est représenté, un continent avec deux gros morceaux reliés par un plus petit, c'est le continent américain, c'est l'Amérique. Et le Groenland, par contre, est bien représenté sur la carte 10 qui se localise ici. Donc voilà pour aujourd'hui, coloriez bien vos planisphères et puis on se retrouve la fois prochaine. Allez, travaillez bien, bon courage, à bientôt. Au revoir.